Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc allez, c'est parti. Et bien sûr, comme chaque fin de mois, on va se retrouver bien sûr pour notre haul du mois. Donc allez, c'est parti, haul découpé en plusieurs catégories comme d'habitude. Il y en a du hors Disney, du Disneyland Paris, du Disney Store, des cadeaux. Donc on va tout vous présenter, donc allez, c'est parti. Et c'est parti, on va commencer par des produits dérivés du film Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, qui va bientôt sortir au cinéma, qui va sortir au cinéma le 14 novembre. On a vraiment hâte. Les souvenirs sont bons. Ça doit être ça. Oui, franchement, on a super hâte de découvrir ce film. Je sais pas vous, mais nous, on adore de toute façon tout ce qui est Harry Potter, tout comme ça. Ça se voit. On adore, donc on a craqué pour des petits articles. Moi, je vais commencer, moi. J'ai craqué pour les Lego. Ils ont fait des Brickhead de Norbert Dragono et de Grindelwald. Hop. Voici pour Norbert Dragono avec la baguette. Et tout, franchement, elle est super bien faite. Non, c'est vrai qu'ils sont beaux ceux-là. Ouais. Ils sont beaux. Tac. Et ici, vous avez Grindelwald. Toujours avec la baguette. Wow, moi j'aime bien cette petite collection, comme vous savez, j'en ai déjà. Donc, je continue avec, avec celle qui me plaît vraiment. Ensuite, on va continuer avec une pop. Mais pas une petite pop, c'est une grande pop. Une pop géante. Ouais. Voilà, Unifleur. Elle est vraiment super belle. Ouais, franchement, elle est vraiment super bien faite. Elle est vraiment. Ouais, elle est vraiment mignonne. Belle. Donc voilà, les Animaux Fantastiques 2, on a. On a ça. Et on continue encore par deux articles hors Disney. Ça va être inédit sur notre chaîne parce qu'on est en train de découvrir cette série qu'on n'avait jamais vue, c'est Game of Thrones. Vous allez peut-être vous dire qu'on arrive après la guerre. Oui, on arrive après la guerre, clairement. Mais vaut mieux tard que jamais. Mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Et on est en train de dévorer la série. On regarde 2 à 3 épisodes par soir, tous les jours en ce moment. Et on adore. Donc on a craqué sur 2 objets dérivés. Je commence. Allez, vas-y. Voilà. Une chop, elle est super grosse, hein, elle est big. Hein, comparée à une, elle est immense. Comparée à un mug normal. La taille de ma main, c'est la taille de ma main, quoi. Voilà, regardez comparée à un mug normal. Disney Store, ouais. Donc voilà. C'est affolant, ça c'est la maison Stark. Alors, Winter is coming. Voilà. Et on a aussi craqué pour une Funko Pop, une Funko Pop Ride, c'est-à-dire ou Movie, ils appellent ça Ride. Attention de ne pas la faire tomber. Non, non, et c'est Daenerys et Drogon. Elle est belle cette pop. Et cette figurine est vraiment super belle. On va peut-être craquer pour d'autres pop, mais en général, les Funko Pop Dragon. En général, elles sont très bien faites. Super bien faites. Donc voilà pour ces articles hors Disney, du Animaux Fantastiques, du Game of Thrones. Donc maintenant, c'est parti. On est parti pour du 100% Disney. Jusqu'à la fin. Voilà, on est parti avec du 100% Disney et on va vous présenter deux livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. C'était mon anniversaire le 18 septembre dernier, mais comme le haul était sorti tôt en raison du vlog du Run Disney et d'autres choses, j'avais pas encore eu mes cadeaux d'anniversaire. Et là, je vais vous présenter deux livres qui sont des cadeaux d'anniversaire. Moi, je vais commencer par un superbe ouvrage qui m'a été offert par Kimi Collection. Donc, merci beaucoup à elle. Je t'embrasse bien fort si tu passes par là. C'est un livre en fait. Il n'est pas très épais, mais il regroupe vraiment toute la vie de Walt Disney, toutes les grandes étapes de sa vie. Et l'image derrière est trop belle. Donc voilà, l'image derrière est vraiment trop belle. À la fin, vous inquiétez pas, je vous fais un petit close-up, mais ce livre est vraiment top. Il est en anglais, mais franchement, c'est super simple à lire, les phrases elles sont super simples. Donc franchement, n'hésitez pas, si vous cherchez un petit condensé, un petit livre avec des images et tout de la vie de Walt Disney, franchement, n'hésitez pas, ce livre est vraiment fait pour vous parce que c'est vraiment toutes les anecdotes de sa vie. Voilà, en image. Donc franchement, merci pour ce livre, il est vraiment super top. Bah ensuite... autre cadeau d'anniversaire, cadeau d'anniversaire de Laudine, Claire, Alizé et Delphine, que j'embrasse bien fort, et c'est encore un livre, un superbe livre. C'est un Art of, et c'est dans les coulisses de The Last Jedi. Voilà, de Star Wars, Les Derniers Jedi, il est en français. Ouais. Voilà.
Franchement, grand merci à elle, ce livre. Elle le savait que je le voulais parce qu'à chaque fois qu'on allait à Disneyland Paris, qu'on allait à Storybook Store ou à la boutique Star Trader, j'allais voir le livre. Donc franchement, elles ont tapé dans le mille, les quatre. Donc merci à vous quatre. On vous met à la fin là, de cette présentation de livre, des pages un peu de ce livre. Franchement, il est super beau. Enfin, ouais. Ces deux livres sont super beaux. Vraiment, c'est top. C'est à 100% Disney. Vous êtes une fan de Walt Disney, de la vie de Walt Disney, de toute son œuvre et de l'homme. Pas de tout ce qu'il a fait, mais de l'homme aussi en général, de comment il en est arrivé là. Ce livre est fait pour vous. Il est vraiment super sympa à lire, même si vous ne comprenez pas trop l'anglais. En plus, le texte n'a pas des masses, donc pour traduire, ça va super vite. Et celui-là, franchement, vraiment trop, trop beau. Les images à l'intérieur sont top. Donc, merci à vous pour ces superbes cadeaux. Continuer avec des choses un peu plus figurines, on a un mug et des petites figurines et encore des cadeaux d'anniversaire. Ouais. Je vais commencer moi par des, ils appellent ça des mystery mini chez Funko, mais en fait c'est pas vraiment des mystery mini comme il n'y a pas de mystère, comme on les voit directement dans le présentoir, et c'est les petites figurines pour les 90 ans de Mickey, et c'est Timothée de la chaîne Team Vlog, ou Vlog Team, Vlog Team, Vlog Team, voilà. Chaque fois que tu me fais. À chaque fois je la fais celle-là, hein. Donc c'est Vlog Team. Donc voilà, il m'a offert avec Olive, bien sûr, hein, les deux, Olivier et Tim, franchement que j'embrasse bien fort. Ils m'ont offert Mickey Fantasia, apprenti sorcier, il est vraiment trop trop beau. Mickey Swimboat Willy, franchement ces figurines elles sont trop belles. Il y en a 12 en tout dans la série et ça donne envie d'en racheter d'autres. Donc peut-être on va craquer sur d'autres, mais en tout cas, ces deux-là, franchement. Non, c'est magnifique, c'est les plus belles, je pense. C'est honnêtement ouais, les plus belles de la collection. De la collection. Ouais. Et ils m'ont également offert The Must. Ils m'ont offert l'ornement qui est disponible à Disneyland de Paris de la Rose Enchantée. Et en plus, la Rose Enchantée s'allume. Attention, voilà. Tintin, je sais pas si on va bien voir. Donc voilà, la Rose Enchantée s'allume. Ouais. Donc franchement les gars, merci à vous pour ces cadeaux. Ça m'a fait super super plaisir. Franchement j'adore. La Rose, elle est dans la vitrine avec la collection La Belle et la Bête. Et les Mickey sont aussi dans la vitrine avec la collection Mickey. Ouais, tout simplement. Donc voilà, merci à vous pour ces cadeaux. Un petit hors-sujet. Voilà, petit hors-sujet. Mais un petit cadeau que Claire m'a offert. Parce que voilà. Je sais pas si on va bien voir, c'est une tasse d'Alice. Voilà, mais Alice avec les illustrations ouais, originales. J'adore. Donc, j'en avais parlé que j'aimais bien ces illustrations, puis elle a pensé à moi avec cette tasse, donc je la remercie, c'est vraiment super gentil. Elle est vraiment trop belle cette tasse. Voilà, et l'autre voilà. Fan de thé, tout comme Claire. Hein, les ouais, deux. C'est bien trouvé là-dessus. Fan de thé inconditionnel. Donc voilà, encore merci à vous pour ces cadeaux. Maintenant, on va vous présenter des articles Disney exclusivement américains. Voilà, vous ne pourrez pas les trouver ailleurs. C'est des articles que vous trouvez uniquement aux États-Unis. Et encore deux cadeaux, deux magnifiques cadeaux oui. De nos amis de la chaîne Les Vlogs de Ninou, Nico et Amé. Et Amé, Ninou et Amé, qu'on embrasse bien fort. Ils ont été à New York et ils nous ont fait deux superbes cadeaux. Ils nous ont offert les Tsum Tsum exclusifs de New York. Qu'est-ce qu'ils sont ? Donc mini, médium, statue de la liberté. J'aurais jamais cru qu'on l'aurait celle-là. Franchement, un grand merci à eux. Magnifique. N'hésitez pas surtout à aller voir leur vlog à New York. Ils sont géniaux. Honnêtement,
Vous voulez du dépaysement, vous voulez voir New York, c'est sur leur chaîne qu'il faut aller voir. De toute façon, vous avez tout dans la description. Et le petit, là, je vous ai mis la chaîne, non, là-bas plutôt. La chaîne de Ninou. La chaîne de Ninou et de Amé, les vlogs de Ninou. Et voilà, vous l'avez aussi dans le i. Mais franchement, un grand merci à eux pour ces deux Tsum Tsum. Regardez Mickey, I love New York. Les mini medium, ça tue la liberté. Vraiment trop, trop beau. On adore, donc un grand, grand merci à vous deux pour ces deux magnifiques cadeaux. Et on n'aurait jamais cru l'avoir. Ah non, jamais. Donc voilà, un grand merci. Merci. On adore. Mini. Bon, on continue avec un autre article aussi qu'on peut trouver Disney Park, en tout cas à Disney Park, voilà, voilà. Aux États-Unis. Disneyland Resort et Walt Disney World. Je sais pas si. Non, on l'avait pas si posté une fan story. C'est tout. Oui, on l'avait peut-être déjà vu. On l'avait peut-être déjà vu, oui. On l'avait posté aussi dans une vidéo. C'est possible. Voilà. C'est le fameux sac Cheshire de la marque Lunchfly. Ouais, voilà, qui font énormément de sacs. C'était donc indispensable. Aux États-Unis, ils en font de tous les sacs. Hein. Non, même des attractions, Pirates des Caraïbes, Haunted Mansion. Ils sont magnifiques. Pirates des Caraïbes, il est vraiment super beau avec l'Harlequin, Haunted Mansion. Vraiment super beau. Donc franchement, le Lunchfly, c'est bon. Mais c'est pratique. C'est quand vous voulez que vous venez à Disneyland Paris. Ouais. Hein, parce que vos sacs. Ah, d'un côté, non, parce qu'après, c'est dur, quoi. Donc voilà, pour les articles exclusifs Amérique, États-Unis, USA. Ouais. Voilà, Soul est maintenant bientôt terminé. Dernière catégorie, les articles que nous avons achetés à Disneyland Paris. Disneyland Paris, donc vas-y, je te laisse commencer. C'est Coda. Ah, j'ai rêvé du merchandising. Si vous nous suivez sur Instagram, vous l'avez certainement vu. Ah, mais je rêvais de merchandising sur ce film, j'aime beaucoup. Et voilà, ils l'ont fait. Voilà, ils l'ont fait. Et puis, il est tout doux, il est vraiment. Vraiment trop beau. Trop beau. Voilà. Ouais. Donc voilà, pour les peluches, on avait dit qu'on arrêtait les peluches. Mais bon là, ça c'est exceptionnel, c'est donc voilà. Et on va terminer ce haul avec deux articles de Disneyland Paris. Ça c'est des choses à avoir dans sa collection hein, quand on est fan de Disneyland Paris. Choses à avoir dans sa garde-robe et c'est le fameux. Voilà. Le fameux Spirit Jersey. Et voilà, celui-là c'est celui de, on va le montrer, après l'autre, ouais. De Disneyland Paris. Moi je l'ai pris en noir. Moi je l'ai pris en rose. Elodie elle a pris voilà, rose. C'est du rose sur rose et l'écriture elle est en tout en pailleté pour le ça rose. Ça brille, je sais pas si on va bien le voir mais ça brille. Donc voilà, c'est sweet, il s'arrache aux États-Unis. Oui, mais en France aussi quand même les premiers en jours. En France aussi. Les premiers jours c'était compliqué. Mais maintenant notre objectif c'est d'en avoir un de chaque parc Disney qu'on va. Visiter, donc si un jour on retourne dans les parcs américains. C'est sûr qu'il y en a au moins un pour chacun qui va repartir dans voilà, la Walibi. Si ça existe encore quand on va dans les parcs américains. Aussi. Donc aussi. On verra bien, mais je pense que ça repartira avec nous. Sinon sachez que c'est disponible sur le shop Disney américain. Vous avez ceux des États-Unis, mais ça fait un petit peu cher à l'import. Donc on attendra si un jour, voilà, c'est pas prévu pour tout de suite, parce qu'on a d'autres projets avant ça, que de partir dans les parcs américains. Donc on verra bien, donc si un jour on va dans les parcs américains, il existe, je pense qu'on repartira avec au moins un Spirit Jersey dans le parc américain. Voilà pour ce haul. Ce haul est maintenant terminé. Voilà, beaucoup de cadeaux. C'était pour mon anniversaire. Donc on remercie tout le monde. Voilà, je vais tous vous, toutes les personnes. On a Kimi Collection, on a Tim, on a Olivier, on a Delphine, on a Claire, on a Lodine, on a Alizé. Donc voilà, merci à vous tous pour ces cadeaux.
ça m'a fait super plaisir, ça me touche beaucoup et franchement vous avez tapé dans le mille. Donc voilà, encore un grand grand merci à vous. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre tous les mardis sur notre blog, voilà, vers 20h. Dans les environs, ouais. Dans les environs, vous avez un article, mardi dernier on vous a sorti l'article sur la collaboration qu'on fait avec The Dreams Kingdom, Lucas, voilà, vous avez pu voir les cartes, ouais, la semaine dernière dans notre vidéo et sur Instagram aussi. Donc voilà, grand merci à lui et l'article est sorti mardi dernier. Voilà, n'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, voilà, Facebook et Twitter pour toute l'actualité Disney, Disneyland Paris, voilà, on reposte toutes les choses officielles et utilisées sur Instagram. Si vous voulez voir nos photos que nous faisons à Disneyland Paris en ce moment, c'est 100% Halloween, mais c'est bientôt fini. Faut pouvoir profiter encore des, voilà, derniers donc, jours. Voilà, donc profitez des derniers jours de notre feed 100% Halloween. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien louper. Voilà, une vidéo chaque vendredi. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Nous, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.